Coucou, Melo Valor, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Melo Valor, bonsoir, est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes là pour le direct? Connectez-vous, on va parler un peu. Eh oui! Connectez-vous, mettez le cœur, partagez la vidéo massivement. Mettez le cœur, partagez la vidéo. Eh oui! Et vous devrez appeler pour féliciter l'héros, celui-même là qui a délivré le diable, c'est-à-dire le diable, le vampire en personne. Vous devrez mettre le cœur pour Peter 007. Eh oui! Vous devrez mettre assez de cœur, vous devrez féliciter, c'est-à-dire que toutes les femmes, oui, les femmes qui font les vidéos là, vous, si vous n'essayez pas de parler au gros français, là, vous pouvez faire des petites vidéos comme ça, et puis vous partagez, juste pour féliciter Peter 007. Il a fait un bon travail et il mérite, c'est-à-dire les félicitations, il mérite les cœurs. Eh oui! Mettez le thème qui va avec. Partagez la vidéo là. Il a fait un très bon travail. Le défenseur des femmes. Il faut que vous appelez pour le féliciter. Pour ceux qui ne peuvent pas faire des directs là, appelez sinon vous allez le féliciter. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis sur le direct de Nova. Oui. Voilà. J'ai vu un peu votre terme d'aujourd'hui. Vous parlez du clash entre Giovanni, c'est ça, Giovanni Oui. et Peter 007. Oui, c'est ça. Franchement, je tire le chapeau à. Moi, je donne mon point de vue déjà. D'accord. Je tire le chapeau. À Peter 007 parce que vraiment il a eu un peu à donner une dose, une forte dose à Don Giovanni C'est ça. parce que ce monsieur il est allé un peu trop loin et j'ai l'impression que c'est en fait c'est la sortie de la sortie inattendue de Peter 007 qui fait que Don Giovanni sert de multiples sorties. C'est ça. Voilà. Donc, moi, hier, j'ai eu à intervenir un peu sur son direct de Don Giovanni parce que j'ai pas aimé surtout l'intervention d'un mec qui a osé s'attaquer directement aux jeunes suivants en Europe. Parce que je ne sais pas s'il faisait du coq à l'âne, comme on peut le dire, mais il sortait de le contexte. Il sortait carrément du contexte. Parce qu'il s'agissait entre le clash de Don Giovanni et non des personnes vivant en Europe. C'est ça. Ce mec a aussi dit que les gens qui vivent en Europe, comme en France et tout, vivent une vie misérable et qu'on ne vit pas avec comment on appelle ça, des contrats de bail. Dans quel pays, aujourd'hui, même en Afrique, on peut habiter une maison sans un contrat de bail? Franchement, il faut être un peu idiot. C'est ça. Pour ne pas le savoir. Et l'Amérique, là, l'Amérique, ce n'est pas le paradis sur Terre. Moi, j'ai connu des Américains qui vivent en Angleterre et qui vivent aussi en France. Mais ils ont quitté l'Amérique parce que ce n'est pas le paradis, au fait. Aujourd'hui, si tu leur dis de retourner, ils vont te dire, bah, on ne veut pas. On ne veut pas y aller. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui ne se sentent pas ici, qui ne se sentent pas à l'aise en France ou en Italie ou en Suisse. C'est partout, c'est vice-versa. Mais j'ai l'impression que quand ils parlent, on a l'impression que l'Amérique, au fait, c'est un pays de coups, c'est là où coule le miel, quoi. Voilà. Donc, il a tendance un peu à rabaisser les gens d'une manière et d'une autre. Voilà. Moi, je tire le chapeau à Peter 007. Parce que quand on dit un homme un peu frustré, un peu un manque de respect vis-à-vis de la femme, c'est lui, Don Giovanni. C'est Parce ça. que pour son âge, je dirais que c'est quelqu'un d'immature. Tu matures, et s'il y a une femme dans sa vie, moi je dirais qu'elle n'a pas gagné le gros lot. C'est Parce que ça. ce n'est pas un homme avec qui on peut dire. C'est un homme invivable, c'est un homme peut-être d'une politesse qui n'en dit pas son nom, et un homme très mal éduqué.
Donc, je m'en citais un peu mon point de vue. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, le baron. Vraiment, je tiens à vous dire que votre couple vous va tellement bien. Merci beaucoup, madame. Voilà, vous merci. Êtes vraiment parfaite avec. Merci. Bisous. Bisous. Au revoir. Oui. J'ai dit, mettez plus de 0-0 avec le cœur, accompagné de cœur. Voilà. Mettez, écrivez putain 00 avec des cœurs, accompagnement des cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Eh oui, parce que c'est-à-dire que franchement, quand ce monsieur est là, on ne sait même pas comment on va le qualifier en fait. Mm-hmm. Il s'est dit qu'il est la seule personne sur les réseaux sociaux, il est intouchable en fait. Oui, il pense qu'il est intouchable. Partagez la vidéo, je ne vous sens pas là. Je ne vous sens pas là, c'est quoi? Je ne vous sens pas. On vous parle de quelque chose qui est très sérieux. Aujourd'hui, on a eu quelqu'un qui nous a défendu. Oui, qui a défendu la femme. Et qui a fait tomber ce clochard là, ce traîné là. Qui a fermé sa bouche, qui l'a délivré. C'est-à-dire qu'il était tellement possédé. Il faut qu'une personne comme putain 007 pour le délivrer. Il est tombé, c'est-à-dire si son ami garçon. Donc, partagez la vidéo ou soit on arrête le direct. Après tout, c'est l'over, l'over. Vous savez que vous ne le forcez pas. Mais voilà. Si ce n'est pas pour partager, c'est pour venir regarder le shipping qui va avec. On va se regarder. Voilà, je vais vous présenter un peu les chics produits. Voilà. Donc, ça, c'est le sérum anti-tache pour le visage, sérum éclaircissant anti-tache. Pour des personnes qui veulent avoir le visage chic de l'OVA, sans tache, sans bouton, voilà. Vous devrez passer votre commande et acheter le sérum éclaircissant anti-tache. C'est très, 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 très efficace. Pour les personnes qui ont envie de maigrir, voilà. Partagez la vidéo, hein, en attendant que je fais ma petite publicité. Voilà, pour les personnes qui veulent maigrir, qui veulent avoir la forme chic. En tout cas, moi, j'ai quand même pris du poids parce que j'ai arrêté le régime. Ça, je vous dis la vérité. J'ai arrêté le régime parce qu'un temps, j'avais tellement maigri. Donc, du coup, j'ai arrêté. Maintenant, pour les personnes qui veulent maigrir, vous avez le thé ici. Vous avez le thé normal et les gélules. Les gélules, c'est le comprimé. Très efficace. C'est amaigrissant. Si vous voulez vite perdre du poids, c'est amaigrissant. Donc, vous prenez un comprimé par jour après le repas. Et ça, vous prenez 3 fois par jour après le repas, mais vous mangez très bien accompagné de petits citrons. Donc, vous devez le prendre avec du citron. OK. Partagez, partagez, partagez. Et vous avez ici, c'est-à-dire que le petit savon magique là. Eh oui, le savon magique. C'est fait à base de charbon. Donc, lorsque vous finissez de laver votre visage avec ce savon, ça fait comme genre un petit gommage. Donc, quand vous finissez de laver votre visage avec ce savon, vous appliquez votre sérum éclaircissant anti-tache. Pardonnez. Comment on appelle? Oui, oui, c'est pour le visage. Anti-tache, ok. Pour les rides aussi. Donc, c'est très, très, très bon. Ça va vous enlever tout ce qui est comme tache. Et n'oubliez pas, bientôt, c'est l'été. Hein? C'est l'été. Vous avez ici votre crème soleil. Ok. Partagez la vidéo parce que... Voilà. Donc, pendant combien de temps tonton a autocollant? Oui! Tonton a autocollant, celui-là qui a les escaliers qui n'a jamais monté dessus. Attendez, je suis tombée. Celui-même, il a escalier, mais il n'a jamais monté dessus. Son escalier là. Papa n'a autocollant. Jamais qu'il va monter cet escalier là. Pendant combien de temps il insulte les femmes, il dénigre les femmes. On ne sait même pas il a quel problème avec les femmes. Matin, midi, et quand même là, il a fait plus de 2 mois sur elle. Il est là, il insulte les femmes. Pourtant, c'est un ruineux. Pourtant, c'est un clochard. On peut être clochard comme ça et puis dormir sur la vie des gens. On peut être clochard comme ça, tonton en autocollant.
On peut avoir une vie misérable comme ça et puis dormir sur la vie des gens. Tonton n'a autocollant. Dit tonton escalier. Tonton rougeau. Qui change de couleur, André Caméléon. Déjà, tu as une vie misérable. Un vrai mythomane. Un vrai menteur. Tu as ton calmeur. Eh oui, tu penses que les hommes te regardent parce que tu es trop fort. Tu penses que les gens ils ont trop peur de toi. Oui, c'est tonton en autocollant. Lui, là, sa bouche est sale. Lui, là, il insulte. Mais il y a ton calmeur qui est là. Oui. Il y a ton calmeur qui est là. Voici ton ami garçon. Oui, ton ami garçon testulaire qui a les couilles comme toi. Il t'a récupéré. Tu es là, tu es traumatisé. Oui, tu es traumatisé. Il a parlé doucement. Tu es traumatisé, tu es dans tous tes états. Eh, c'est garçon contre garçon. Ça, là, ce n'est pas une histoire de femme. C'est entre vous les garçons. Mais regarde comment ton ami garçon t'a démonté. Il t'a démonté, on dirait pièce détachée. Eh oui, on dirait pièce détachée. Tu es là, tu es troublé. Tu es perdu. Tu pensais que les gens avaient peur de toi? Non. Les gens te regardaient parce que, franchement, tu fais pitié en fait. Les gens te regardaient parce que tu faisais tellement pitié. On dit, mais lui là, même là-haut. Lui là, tu vas le récupérer là, mais il va devenir fou dans les États-Unis là. Il va devenir fou dans les États-Unis là. Raison pour laquelle ces personnes-là te regardaient. Quand Yves Vaipo, ou bien, comment il s'appelle là? Yves Vaipo, ou bien Yves Yaupo là. Quand il t'a récupéré, il t'a dit, tonton là, autocollant, il faut laisser les femmes là. Viens, nous deux, garçons contre garçons, on va se dire fa-fa. Oui. Quand Yves Yaupo t'a récupéré, tu n'as pas eu cœur d'aller l'enfronter. Mais tu étais à longueur de journée, maman Brigitte. Pardon, il faut boire l'eau glacée. Tu mets l'eau là dans le congélateur. Ce n'est qu'elle bien glacée là. Et puis tu as glaçon, mais il faut avaler ça. Et quand dormez bien. Eh, les Emma Louès, les Coco Emilia, les c'est-à-dire que les comment on appelle, Nathalie Poua, c'est-à-dire les films qui t'ont rien fait. Qui t'ont ri. J'ai dit, mettons aussi Yves Yaupo là. Mettez Yves, il s'appelle Yves Vaipo bien. Ah, mon cher, nom des gens aussi. Le monsieur Yves Vaipo, le super artifice là. Le celui qui avait commencé le premier. Mettez le cas pour lui. Tu te lèves, tu es là, tu insultes les femmes. Mais aujourd'hui, ton ami garçon, c'est lui qui est en train de moukou ton derrière. Et puis tu es là, tu baves. Eh oui, il dit aujourd'hui, il ne pas femme. Papa n'a ton collant, il dit, il ne pas femme. C'est toi, il va mougou. Jusqu'à ton bonbon du mal va sortir. Toi-même là, tu vas fuir pour laisser les réseaux sociaux. PT007 dit, je te fais la commission. PT007 dit que, il ne va plus mougou femme. C'est toi seulement, il va mougou. C'est-à-dire qu'il va te mougou jusqu'à ton bonbon du mal là, ton coco là, ça va sortir. Eh oui, c'est-à-dire son virus là, c'est-à-dire virus là, mais il va mettre ça en toi, mais il va te contaminer avec son virus. C'est plus au fond, il va donner le virus là, hein. C'est dans toi, mais il va donner le virus là. Tu vas confumer, tu es là, tu trembles. Depuis quand toi tu danses avec la voiture, attends, mais c'est-à-dire, il y a des gens, quand tu es vilain là, il faut rester tranquille. Jean, tu voulais faire malin voiture. Hey, toi, à ton vieux âge, là, ton vieux âge, tu dois commencer à penser à ta retraite. Parce que quand tu vas à la retraite, là, si tu as travaillé, on doit te payer pendant l'année que tu as travaillé pour ta retraite. À ton vieux âge, toi, tu dois faire malin voiture. Hey, on peut être immature comme ça à 52 ans. On peut être immature comme ça à 52 ans. Qui
t'a dit au 21e siècle qu'on fait malin à la voiture? Hein? Tonton autocollant, qui t'a dit au 21e siècle qu'on fait malin avec voiture? On peut être immature comme ça à ce vieux âge-là? Et puis ce qui est mauvais dans ça, toi tu prends voiture des gens crédits et c'est toi qui fais malin sur voiture des gens. C'est-à-dire que c'est comme les filles qui ont prêté habit. Habit là, c'est pas pour elles, hein, mais c'est elles qui vont faire malin dedans. Appelez, il a dit, mettez le cœur pour don, pour Puis 1307 avec Yves Vaipo. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, Louva, Louva. Bonjour, madame. Louva, tu vas bien? Bien, merci. Et vous? Ça va par la grâce de Dieu. Dieu merci. C'est le sujet que tu as évoqué là qui m'intéresse un peu. D'accord. Par rapport à Don Giovanni. Ok, on vous écoute, madame. Voilà. Donc, je voulais féliciter Peter 00. Mm-hmm. Et dit que c'est un enfant béni. En tout cas, il a insulté la maman de Peter 00, insulté la maman des autres. Dieu l'a livré. C'est ça. Et aujourd'hui, Peter 00 l'a lavé propre. Mm-hmm. Il pensait qu'il était intouchable. Franchement. Il pensait qu'il était incontournable. Mais il a trouvé garçon devant lui. C'est ça. Donc, je voulais saluer Peter 007 à travers ton émission. Merci beaucoup. Peter, prends le cœur. Voilà. Et voilà, il faut dire aussi à Don Giovanni, s'il écoute là, mm-hmm. c'est pas toutes les femmes on insulte. C'est ça. Les femmes ivoiriennes sont des femmes bénies, des mm-hmm. femmes respectables. Mm-hmm. Les autres pays, les autres nations protègent leurs soeurs, leurs filles, leurs mamans. Mm-hmm. Mais lui, il n'a fait que vilipender les femmes ivoiriennes. C'est ça. Quelles sont ces manières là? Et je pense qu'il peut avoir la paix aux États-Unis. C'est quand dans son quartier, quand il dit Don Giovanni, mm-hmm. n'importe quelle nation, ils vous disent non, c'est pas la peine. Celui-là, c'est un fautif. Vraiment. Même ivoirienne là, qui a honte à sa place. On ne comprend pas qu'est-ce qu'il a pu bien faire. Il a fallu un enfant béni comme Peter 00 pour comprendre ce que les gens lui reprochaient. En tout cas. Parce qu'il était dans les bêtises. En tout cas. Rien comme il a vilipendé Eta. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Adem, mais il a passé tout son temps. Mm-hmm. Mais je veux que tous les Ivoiriens sachent qui travaillent pour le RHDP. Quand le RHDP a des griefs contre une personne, mm-hmm. c'est lui Peter 00 et c'est lui Don Giovanni, mm-hmm. le RHDP charge pour saboter la personne. C'est ça. Voilà son matin qu'il a eu. Parce qu'ici, il ne peut plus travailler. Mm-hmm. Ici, là, il n'a plus d'avantages. Donc, il profite de, comment dirais-je, de ces injures-là. Mm-hmm. Avec le RHDP, eux, on le donne quelque chose en retour. Mais si tu fais ça, tu cherches ton argent. Là, pour chercher ton argent, c'est de ça. Façon honnête. Mm-hmm. Mais quelle est cette méthode de chercher l'argent et puis faire du mal aux gens? Il y a une dame aussi qui a parlé de lui. Il l'a contredit simplement. Hein. Il a montré la photo de la dame. Mm-hmm. Il a commencé à dénigrer qu'elle lave les fesses des gens. Et aujourd'hui, voilà, toi, elle au moins, elle lave les fesses des gens. Toi, tu es là en train de faire du n'importe quoi. C'est les retombées. Tu es convoqué dans les tribunaux. Tu vas étudier les autres sont pauvres. Donc, franchement, je voudrais te saluer. Merci aussi pour Makoso. Il faut dire à Makoso, s'il dit qu'il a l'argent là. On ne paye pas un seul boubou. Mm-hmm. Il y a 7 jours de la semaine. Le boubou magique. Chaque jour a un boubou, chaque jour a un boubou. Et donc, tu l'as marqué sur ce point aussi. C'est le boubou magique. Félicitations à toi, Louva. Merci beaucoup, et madame. Merci. Allez, bonne journée. Merci à vous aussi. Bisous. Au revoir. Merci beaucoup. Donc, c'est toi, tu n'as pas... C'est-à-dire que vois-tu des gens? C'est ça quand tu fais malin dessus. Toi, tu dis que tu es riche là. Mais il faut aller dans les immobiliers là. On appelle ça immobilier, immobile. Où on vend voiture là? Dans les agences immobiles là. Allô? Allô? Oui?
Oui, s'il te plaît, je sens que tu traites un dossier là. Je te rappelle dès que je finis, ça va? Ok, d'accord. Ok. D'accord, dès que, comme actuellement je suis en train de travailler, dès que j'ai fini, je vais voir, ça va? On fait comme ça, merci beaucoup. Oui, au revoir. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Donc voilà. Attendez. Il dit appeler, donner les cœurs. Allô? Oui, allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, je voulais juste intervenir sur votre direct. D'accord, on vous écoute, monsieur. Merci beaucoup, ma soeur Lova. On est tous des Ivoiriens. C'est ça. Voilà, et chacun d'entre nous a ses défauts et ses qualités, mais je pense que tout homme, nous, Ivoiriens, là, quelle que soit ton éducation, quelle que soit ton origine, ta région, ton ethnie, sincèrement, don à dépasser les bornes, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, un homme qui a toutes ses facultés ne peut pas se mettre comme ça sur la place publique en train d'insulter les femmes. Avec nos garçons encore, ça passe. C'est ça. Mais tu es un homme. Tu couches aussi avec des femmes, mais tu ne peux pas. Garçon ne peut pas avoir bouche de cette façon-là. Bouche pourrie comme ça. C'est pas. En fait, sincèrement, à son âge-là, ça ne se fait pas, en fait. Quand tu dépasses déjà 35 ans pour un homme, il y a certains trucs que tu ne dois plus faire. C'est vrai, c'est-à-dire vous avez votre game de Facebook où vous insultez entre vous, ça se clash entre vous, mais jusqu'à devenir, c'est-à-dire c'est quoi, même quand quelqu'un a affaire à une femme, ça tourne, on voit ce dossier-là, tu te mets à insulter des gens qui t'ont absolument rien fait. Vraiment. Il a l'impression que tout le monde est contre lui. Non, c'est parce qu'il a dépassé les bornes. Sinon, c'est notre frère. On l'aime tel qu'il est, en fait. Mais c'est sincèrement, c'est parce que il a dépassé le borne, il était devenu un peu trop insupportable. Moi particulièrement, je ne regarde pas ces vidéos parce que moi, j'aime pas tout ce qui est un peu trop vulgaire, en fait. Surtout pour un homme. Pour une femme encore, pour certaines catégories, ça passe, mais toi un homme, tu peux pas te mettre à insulter même l'intimité des gens. Il était assis la nuit de toutes les non-sœurs. Après tout, c'était sœur. Tu peux faire un clash avec la personne, mais ça peut avoir des limites pour un homme. Ça, c'est vrai. Pour tout homme qui a toutes ses facultés, qui se respecte un peu, tu dois avoir des limites. Toi aussi, tu es père d'enfant. Tu as appelé à faire un jour des... Sincèrement, si ça peut lui donner conseil, pour moi, c'est pas de féliciter Peter ou pas, mais au moins, ça lui a donné conseil de savoir que nous, ces frères-là, on l'aime, mais il faut qu'il change. C'est ça. On l'aime en tant que frère, on l'aime en tant qu'Ivoirien, mais il faut qu'il change, en fait. Il faut qu'il change son comportement, le comportement qu'il a envers ses frères, ça ne se fait pas, même envers toutes les autres communautés. D'abord, nous, on est tous à l'extérieur du pays, nous qui aujourd'hui, la majorité de ceux qui ont le temps de faire des directs bien construits, ils sont pratiquement à l'extérieur du pays. Mais sincèrement, il va falloir qu'ils changent. Ils se disent qu'à son âge-là, il y a certains trucs qu'il ne doit plus faire. Vous pouvez il peut faire son game de Facebook. Mais insulter des femmes, aller jusqu'à fouiller dans la vie des gens. Mais aujourd'hui, là, tu dis tu vas porter plainte. Si les gens devaient porter tout le monde, tous ceux dont tu as insulté, rentrer dans leur intimité, leur vie privée, s'ils doivent te porter plainte là, tu ne vas pas t'en sortir. Hein. Vraiment. Il a ouvert une boîte de Pandore aujourd'hui, lui-même il est tombé dans son propre jeu, donc il faut qu'il supporte, c'est comme ça. En tout cas, c'est les retombées, il doit supporter. Tu connais mieux là, c'est dans ça, tu meurs. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, merci. Donc voilà, parce que en tant que papa n'a autocollant, on le connaît, il ne va pas aller dans une maison de vente de voitures. Et puis, il ne va pas faire direct. Ça, c'est non, non, non. C'est pour ça que ce n'est pas lui. Eh oui, c'est que ce n'est pas papa dans l'autocollant. Quelqu'un qui aime se faire voir. Quelqu'un qui aime qu'on le regarde. C'est lui qui va aller dans la maison de voiture où on vend voiture là. Et puis, il ne va pas faire vidéo. C'est parce que cette voiture là, c'est troisième main. Eh, occasion à peinturer. Occasion à peinturer. Le monsieur là, il est gawa. Eh oui. Occasion à peinturer parce que c'est que là, Range Rover là, c'est troisième main. Occasion à peinturer. Raison pour laquelle il n'est pas, si c'était neuf, maison comme maison mère, hein, si c'était neuf là, mais on va voir papa dans ton collant, on va voir tonton dans
collant dans un bureau de maison de voiture là. Il va faire direct même où il est en train de trucs. Mais parce qu'il sait que cette troisième voiture là même est froissée, c'est fatigué. Raison pour laquelle là, il n'a pas montré. Eh oui, occasion n'a peinturé, il dit le gars là, il est gawa. Entrez l'enfant. Ah, affaire de Range Rover. Mais attends, qui s'occupe de voitures ici en Europe? Voiture, déjà tu t'en loues voiture à toi ton âge là. C'est toi qui donnes dans maison autocollant. Franchement, c'est-à-dire que toi-même tu n'as pas de maison. Tu n'as même pas de maison où dormir là. Toi, c'est voiture. C'est-à-dire que tu finis de regarder voiture là. Et puis tu t'es endormi dans ton trou à rat là. Parce que c'est trou à rat. Parce que là où il dort là, c'est trou à rat. À part les autocollants qui vont le tuer. À part les autocollants qui vont le tuer. André Gamet, la voiture. Mais on va faire quoi les Range Rover? Mais attends, toi, ton vieux âge là, c'est quel gars même qui va truc? Quand quelqu'un qui est dans Range Rover, parce que ton voiture là même là, c'est pas que votre voiture est fatiguée, vous devez vous ressembler. Toi avec modèle de voiture là, vous deux là, vous vous ressemblez. Seconde main avec son vieux. C'est quelle fille, toi vieux comme ça, tu vas séduire, c'est-à-dire un sugar, je ne sais pas si il appelait ça un sugar quoi, ouais. Parce que pour toi, ce n'est pas sugar daddy, hein. Pour toi, il y a un autre nom. Parce qu'elle-même, tu ne peux pas séduire une femme. Jamais. Tu ne peux même pas séduire une fille. Donc, ce n'est pas quand tu vas acheter Sugar Daddy, comment on appelle, Range Rover, là, que toi-même tu loues. C'est-à-dire, toi, tu t'as loué le Range Rover, c'est toi, tu fais mal. On peut souffrir comme ça. Au lieu de chercher à arranger là où tu dors. Là où tu dors, là, où tu es assis, matin, midi, soir, tu fumes, odeur de cigarettes, odeur de tchatcholi, odeur de lâchement. C'est-à-dire, où tu es assis, là, c'est là que tu fais tout. Tu ne cherches pas à ranger ton dortoir, là. Hein. C'est Range Rover, troisième main, que toi, tu t'en vas louer, et puis tu viens nous embrouiller. Quand regardez, les jaloux vont maigrir. Jaloux de quoi? De voiture qui n'est même pas pour toi. C'est en Afrique qu'on fait malin à une voiture. Même en Afrique, on a les gens qui font même pas malin à une voiture. Ils font pas malin à une voiture. Toi, tu as 53 ans. Tu es dans tous tes poils sont en train de blanchir en bas de toi. Quand je regardais ma voiture, il y a des pères ranger revêt les trucs. Même dans la voiture, là, tu gardes même, tu rates une fille là, elle va te fuir. Parce que lui-même qui est dans le dérange, je vois la main, son modèle est compliqué. Allô? Allô, oui, bonjour Laura. Oui, bonjour monsieur. Oui, c'est pour intervenir sur le direct dans cette. Je suis bien au bon numéro. Hein. Oui, oui, vous pouvez intervenir avec plaisir. Ok. En fait, moi, c'est pas vraiment. Moi, je vais dire que oui, effectivement, je suis parmi ceux qui soutiennent Peter. Non, parce que Peter, forcément, celui que tout le monde aime ou vêtu, mais c'est parce qu'on cherchait vraiment quelqu'un qui allait faire comprendre à Giovanni qu'il n'a pas le monopole des injures, ou bien il n'a pas le monopole de la méchanceté sur les réseaux sociaux. C'est ça. Ça fait mal. Quand aujourd'hui, là, toi, ton numéro de sécurité social soit exposé comme ça, tu es un frère ivoirien. Mais on applaudit tous parce que toi, Giovanni, là, tu as le cœur d'un sorcier. C'est ça. Giovanni, là, il a insulté Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta, elle a son histoire avec son ex. C'est leur relation, c'est entre eux qui se sont rencontrés. C'est ça. Si c'est arrivé sur les réseaux sociaux, là, en tant que grand frère, là, tu viens et puis tu apportes des conseils, tu donnes des conseils. Même si tu veux, même si tu as choisi de suivre l'ex de TK, tu viens et tu lui parles. Mais tu ne vas pas venir insulter son intimité, insulter ses enfants. Mais attends. Je me pose la question de savoir si lui, là, il est père. Il n'est pas père. Non, 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 il n'a même pas d'enfant. Et c'est bien père, lui, là. Quand je vois, là, il dit, il a un enfant qui s'appelle Naël, enfin, Maëla, je ne sais pas quoi. Il n'a pas d'enfant, c'est enfant des gens. Il n'est pas père. C'est pas un père, lui, là. Il nous a présenté. Et puis, il est sûr que les femmes consignent. Moi, je
n'y a pas juste sa femme, il n'y a pas son jeu. Mmh. Tu crois que c'est qui il a la plus jolie que celle qui le suit, toi hein? Même pas. Oui, vous avez dans la tête. Il y a Emmanuel diplômé. Il y a ici dans cette chose, il parle là. Toi, Giovanni, parce que tu dis Emmanuel Keïta, un manque que tu l'as insulté, non? Mmh. Tu as insulté sa patte team, non? Mais toi, maintenant, on t'a attrapé la main dans le sac, tu mens. Donc, on fait quoi? En tout cas, on peut faire ça. Elle a menti, là, c'est ton problème, c'est dans ta bouche. Est-ce que c'est dans ta bouche, elle a menti? Vraiment? Hein? Elle a menti, là, c'est à toi, elle ment. Sur les réseaux sociaux, là, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est ça. Ma console, là, les gens l'aiment pas, il y a d'autres qui l'aiment. Mm-hmm. Ça ne donne pas le droit à ma console. Ma console n'a jamais suivi les gens qui l'aiment, jamais été vulgaire comme ça. Mm-hmm. Et bien, juste la comédie, et puis après, ça va. C'est comme ça. Hein? Il y a plusieurs blogueurs. Mais toi, tu vois, nous, tu te fais remarquer de la façon la plus mauvaise de manière. Mm-hmm. Voici quoi ta mort aujourd'hui, tu es parti de rien, mais aujourd'hui elle est imitée par tout le monde. Pourquoi les gens vont ça l'aimer? Hein? Tu peux être sur les réseaux sociaux, être simple. Tu peux être un motivateur. Mm-hmm. Mais tu es vieux. Vieux, mais. Oui, tu montres à tout le monde que tu n'as pas reçu d'éducation. Tant que tu parles des gens, mais nous, quand tu regardes aujourd'hui, on se demande si tu as vraiment reçu d'éducation. Hein? Il donne l'impression d'avoir été élevé comme un poulet, sans éducation. Dès que vous poulet, on se contente de le nourrir, il n'a qu'à grossir pour le manger. Mm-hmm. C'est ça qu'on fait à lui. Hein? Tu ne suis pas femme. Tu vas. Toi qui as problème avec Apoutou. Hein? Apoutou là. Mm-hmm. Toi tu veux t'appeler, toi tu appelles Jeunesse avec sa maman. Donc toi tu peux être le papa d'Apoutou. Et tu viens, le petit, il ne savait pas toi, il a problème. Il a fait une bêtise. S'il a cassé un grand doyen, mm-hmm. tu veux donner un conseil, donne-lui des conseils. C'est ça. Non, mais tu laisses Apoutou. Et tu insultes sa maman. Sa maman. Hey. Hein? On s'en sort, elle dans le couloir. Mais attends. Comme si lui, il n'a pas de maman. Il pense que si les gens ne parlent pas là, c'est parce qu'ils ont peur de lui. Non. On peut pas insulter. Nous, on ne peut pas se comporter comme toi. Tu as une maman aussi, on peut l'insulter. C'est ça. On peut insulter ta maman. Tu as dit, bon, non. On peut envoyer les gens dans ton village, ils vont prendre photo de ta maman. Et puis on le shoot. Et ça c'est magie. C'est pas sorcier pour faire ça. Mm-hmm. Allez. C'est pas sorcier pour faire ça. On envoie quelqu'un dans ton village là-bas. Et puis on prend photo de ta maman. Et puis on met sur les réseaux sociaux. Et puis on la traite comme on veut. À un moment, il faut faire preuve d'un minimum de sagesse. C'est quand ça. Quand même. Et toi, devant nous, toi, un vieux comme ça. L'homme a fait ça là. Il a vu comment les gens. Il a vu jusqu'où c'était arrivé. Les gens sont allés la dénoncer à la CAF. Mm-hmm. Parce que les gens ne supportent pas les injures publiques. Parce que les gens ne supportent pas ça. Tu n'as pas de mettre la conseil un vieux conseil avec toute cette vie. Attends, mais c'est quoi ça? Moi, c'est que je trouve triste. Il y a des gens qui encouragent Giovanni dans cette bêtise-là. Même les femmes. Hein? Même des femmes qui l'encouragent. Mais on va vous insulter comme ça, vous aussi, et vous allez continuer de l'encourager. Hein? Non, on n'a pas dit que tout ce que Peter est en train de faire est bon. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mm-hmm. Mais on est content parce qu'il faut que Giovanni comprenne. C'est ça. Non, parce que ça fait mal mm-hmm. que quand on voit un frère dont la vie soit exposée qu'on a sur les réseaux sociaux. Ça mais fait mal, oui. Pendant près de deux mois, il est suivi de manière qu'il est à quand? Comme moi, c'est ce qui m'a choqué. Mm-hmm. C'est ce qui m'a choqué. Giovanni a sorti de sa bouche lui-même que harceler quelqu'un comme ça sur les réseaux sociaux, ça peut pousser la personne au suicide. Mais c'est ça. Et lui, il ferme sa bouche, et puis il continue. Et lui, il continue dans ça. C'est de la poussée au suicide. C'est la sorcellerie, c'est pas normal ce qu'il fait. Mais il est méchant, il est foncièrement méchant. C'est sorcier, lui, c'est sorcier. Il est trop méchant. Ok, monsieur, conclusion, c'est déjà 5 minutes. Il faut conclure. Comment? En tout cas, moi, tant que Giovanni n'a pas abdiqué, tant qu'il n'a pas compris le conseil qu'on lui donne, si Peter doit arriver jusqu'à l'islam, on va l'encourager là-dedans. C'est ça. C'est clair. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Oui, au revoir. Donc, pour lui, là, il va porter plainte. Ah, donc, lui, a sorti en plaintard. Plaintons-nous vivants. En tout cas, plaintons-nous vivants. Lui aussi va porter plainte. Aïe. Donc, ça fait mal. Quand il traitait Peter de ses idées là-haut, Peter a porté plainte. Peter n'a pas plainté, mais pourquoi lui veut plainter? Partagez-moi la vidéo, si vous avez le thème qui va avec. Mon frère, il n'y a pas plainte dans ça. Il n'y a pas plainte dans ça. Parce que si on portait plainte là, et qu'elle allait porter plainte contre toi,
tu l'as insultée, tu l'as humiliée, elle ne t'a rien fait. Pour un rien comme ça, les gens t'ont payé. Tu as saboté ici son commerce. Tu t'es attaqué à son commerce. Tu as insulté ici la mère de Apuchou qui ne t'a rien fait. Tu as insulté les femmes ici qui ne t'ont rien fait. Donc ça fait mal. Mon frère, si tu es trop fâché, va te suicider. Eh oui, quand il a porté plainte, tu n'as rien vu encore. Il a dit, il va mougou, tu vas avoir coco. Ton bobo du monde, là, ça va sortir. Un clochard rejeté comme ça. Toi, tu n'as pas encore fini de payer ton loyer. Et c'est toi, tu t'en prends voiture crédit. Hein? Toi, à ton vieux âge, là, tu dois t'en connaître. J'ai la migraine. Hein? Je dois prendre les médicaments, là. Je pense que j'ai un peu mal à la tête d'une manière. La pièce est en train de crier dedans, là. Hein? Toi, ton vieux âge, à 56 ans, toi, tu dors dans colocation. Tu dors dans colocation. Et toi aussi, quand les gens parlent, toi aussi, tu vas parler. Quand les bonnes personnes parlent, toi aussi, tu vas parler. Toi aussi, tu as dit que je suis aux États-Unis. Mon œil. Un clochard résété quelque part aux États-Unis là-bas. Quand les bonnes personnes parlent là, tu la boucles. Tu la fermes. Tu n'as pas encore fini de payer ton loyer, hein? C'est Range Rover, toi tu t'en loues. Tu t'en loues voiture. Vous pouvez voir. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec voiture? C'est plein seulement. Il faut l'envoyer à la CPI. Plainte là, c'est petit. Va à la CPI. Il faut te plaindre à la CPI. Là, on va voir que tu es vrai, garçon. Tu pensais que tu étais intouchable. Parce que les gens, ils sont en train de te regarder. Tu penses que oui, c'est moi. C'est moi, papa, l'autocollant. Celui qui n'est pas fatigué de coller les autocollants. Le décorer des autocollants. Tu n'as pas honte. Viens fistré. Viens fistré. On dit le karma existe. Le karma, là, ça existe. Oui, le karma, là, ça existe. Et voici ton karma. Ça ne fait que commencer. Aujourd'hui, tu trembles. Tu trembles. Tu trembles. Il y a toi-même, ta vie est pourrie. Tu traites de Eka de mythomane. Tu la traites de menteuse. Comme si elle a une fois menti sur toi. Comme si elle a une fois menti sur toi. Comme elle a une fois prononcé son nom dans ta bouche. Tu vois les retombées. Tu vois les retombées. Aujourd'hui, tu es traumatisé. Tu trembles. Tu ne dors plus. Jusqu'à même tu chantes, tu portes ça mille fois. Un riche. Tu es riche. Et puis regarde, regarde là où tu es. Regarde là où tu dors. Hein? On t'a dit montre ta maison, tu n'as pas cœur de montrer. On dit montre ta maison. Tu n'as pas cœur de montrer. Tu dis moi je ne montre pas ma maison. Aïe. Toi on te connaît quelqu'un qui fait une vidéo, puis il aime se donner un genre. C'est lui qui a fait toujours vidéo sur la même place. Sur la même place. Tu n'as pas salon. Tu es dans un studio de 2 cm. Donc tu es coincé là où tu filmes là. C'est là que tu fais tout. Déjà, tu commences à changer de couleur. Papa, il est devenu caméléon. Tantôt, il devient vert, après il devient orange, après il devient rouge, après il devient marron, après il devient chocolat. Attendez. Appelez pour intervenir. Hein? Oui, allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, je vous entends, madame. Allô? Ah, voilà. Oui, c'est le direct, j'appelle. Oui. Ouais. Oui, c'est par rapport à ce Giovanni, c'est pas comment on l'appelle. C'est ça. C'est du compliqué. Je comprends pas tous ces gens qui s'en prennent sur la pauvre Eka, là. Pauvre Eka. Hein? Une pauvre mère de famille, la seule, là, qui essaie de se démerder comme elle peut pour ses enfants. Hein? Que les gens la laissent tranquille. Dès qu'ils veulent avoir succès sur les réseaux sociaux. Mais c'est les sorciers. Ils viennent rabaisser la pauvre dame, une mère de famille qui a des enfants. Les Ivoiriens, les hommes Ivoiriens, là, ils pensent qu'ils sortent de quoi? Ils sont quittés du ciel pour tomber. Ils viennent d'une femme. C'est ça. Il y a un minimum de respect qu'ils nous doivent. Ils viennent nous vilipender comme ça sur les réseaux sociaux. Et qu'elle, c'est une femme.
Quand on insulte, on est les femmes aussi. C'est on ça. Se sent concerné. Quelle que soit elle, comment, comment là. Ils n'ont qu'à savoir que c'est une femme. Quand on insulte, là, c'est le monde entier qui est touché. C'est ça. C'est toutes les femmes du monde entier qui ont mal. Hein? Ils se détruisent. Ils se payent un petit truc. On se lève sur le vagin de la femme. On insulte la femme. On dit n'importe quoi. Mais ils n'ont pas reçu d'éducation ou quoi? Hein? À cause de ces gens, des personnes là, maintenant, là, quand on marche partout dans les pays où on s'en va, quand tu dis, on te demande, mais tu es quel, de quel pays? Tu dis Côte d'Ivoire. On te regarde d'une manière. Franchement. Hein? Avant de saison de merde, les gens ont produit mal, ils donnent une mauvaise image des Ivoiriens. Hein? Moi, je suis allé dans plusieurs pays. Mais à chaque fois qu'on me demande, tu es de quel pays? Je dis Côte d'Ivoire, je suis même gêné. On dit, c'est pas vous qui avez les talons, qui parlez mal aux gens. Là. Hein? Mais qu'ils arrêtent? Notre nom est trop gâté. On a honte de dire maintenant, partout on va, on a honte de dire, voilà, pourquoi on vient de d'autres pays? C'est quoi ça? On est même plus fiers d'être Ivoirien. Hein? Ils nous ont arrêté l'image qu'ils donnent de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, il y a des gens civilisés là-bas, il y a des gens polis, il y a des gens qui ont aussi de bonnes éducations quand c'est même. C'est ça. C'est quoi? On en a marre. Ils sont sur les réseaux sociaux là, c'est pour venir nous gâter le nom des femmes ivoiriennes. Ils sont dans l'image des Ivoiriens. Mais c'est quoi? Enfin, il y a un moment donné, la Sénégal s'est arrêté. Ces gens-là, ils sont c'est quoi on l'a fait là, on l'a loupé. On l'a loupé. Eh, actuellement, il ne dort plus. Ils ont un visage compliqué là, on ne sait même pas comment sa maman, si sa maman, sa maman même, c'est les gens d'enfants devant voter. Hein? C'est ça. C'est les gens d'enfants devant voter. Parce qu'il a mis au monde là, c'est pour rien. Parce qu'il ne sert, il sert à rien. Il sert à rien. Venir comme ça, insulter les femmes, non, c'est trop. C'est trop. Il y a un moment donné, la stop. Si ce n'est pas les lolo beauté là qui vient insulter les femmes sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas. Non, ça, c'est quoi tout ça? C'est quoi ça? C'est comme ça qu'on nous éduque, nous les femmes ivoiriennes. C'est quoi ça? C'est quelle éducation? Hein? Il y a des manières dont tu sors même là. Quand on te demande si tu viens de quel pays, tu l'as et puis tu tournes, tu prends ta bouche. Tu es gêné, tu ne veux même pas dire maintenant le monde avec que tu es ivoirien, tu as honte. À cause de ces gens de merde, de ces personnes de merde là, qui ont salé l'image de la Côte d'Ivoire. Hein? C'est quoi ça? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. En tout cas. Dis-moi, tu es venu à quand je vois sur les réseaux sociaux là. Maintenant là, je passe. Il me donne mot de tête. Mais il est insupportable. Il est insupportable. Oh, il est insupportable. Dès que je vois cette vidéo, j'ai mal à la tête. J'ai envie de vomir. Hein? Je ne veux même pas l'écouter parce qu'il dit que oh, je vais venir perdre mon temps ici. Je préfère passer. Hein? Des gens qui sont sur la toile, ils sont censés venir donner hein, des conseils aux gens, venir sur la toile. Parce que le monde là souffre déjà. Le monde est malheureux déjà actuellement. Là. Le monde est malheureux. Le monde souffre. Ce n'est pas ce qu'on a besoin sur la toile. Actuellement, on change des personnes là, qui vont venir remonter les gens, le moral des gens, qui vont donner envie d'aller au moins regarder les vidéos, venir passer le temps. C'est ça. Hein? Hein? Actuellement, on a besoin des gens positifs, on n'a pas besoin des gens négatifs comme ça, là, qui vont perdre le temps. Et qui sont là pour gâter même les passes des gens là. Hein? On n'a plus besoin de ça. Actuellement, on a besoin des gens matures, qui vont nous apporter quelque chose, qui vont nous aider à avancer. C'est et qui vont venir vraiment nous donner vraiment le moral, quoi. Mais c'est toi qui viens donner un mot de tête là, ça fatigue. Ça fatigue. C'est vrai, ils ont trop salé la toile. En tout cas, merci. Un petit, donnez le cœur à PT007. Oui, vraiment. On va lui donner le cœur. Il mérite. Merci. Celui-là, son mal, il est béni, mais que Dieu le bénisse. Amen, amen, amen. Il n'est pas parfait, hein. Mais que Dieu le bénisse. Amen. Personne n'est parfait sur la terre, là. Personne. C'est ça. Mais vraiment, que Dieu le bénisse pour ce qu'il a fait. Amen. Et ça, là, les autres hommes, ils n'ont qu'à sortir, ils vont venir ramasser cet imbécile, là. C'est ça. Les autres, on a encore sorti, on peut nous soulever un peu en haut. Parce que c'est trop. C'est nous qui l'important, qui nous portons 9 mois, on met les enfants au monde. Et puis demain, c'est comme ça, on nous insulte. C'est vraiment, quoi? Vraiment. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci. Merci, tu es toute belle, ma chérie. Amen. Ta coiffure, là, te va trop bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Oui. Ça ne faut pas rentrer dans les perruques, là. Ça te va comme ça, naturel, là. D'accord. Reste comme ça. Merci. Oui. Okay. Allez, bisous, bisous. Bisous. Au revoir. Oui. Voilà, un enfant de comment on appelle, sperme périmé, d'après Maman Tina Glamour. Un enfant de sperme périmé comme ça, on ne peut pas respirer. Matin, midi, soir, il y a quoi? Il y a quoi? Toi, tu ne payes pas ton loyer, toi, tu t'en prends crédit de voiture. C'est dans la voiture, là, tu vas dormir. Pourtant, même ta vie est mélangée comme Eka et Mitoman. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, Manova. Oui, toujours. On peut être belle, jolie, merci. Chic, avec le teint qui va avec. Avec la coiffure
qui se marie avec. En tout cas, on peut dire comme ça. Oh, tu es la seule bloqueuse qui est vraie. Merci. Le reste, là, c'est du vide. Tu es vrai et tu vis ce que tu as. Tu n'inventes pas aucune vie. Mm-hmm. Tu vois les conséquences qui arrivent le gros bête. Ça allait retomber. Quand je disais ici que lui, c'est un sauvage, les gens disent, oh, pourquoi vous l'insultez aujourd'hui? Comment mm-hmm. tu peux insulter une mère? Comment une femme? Chez nous, on n'est pas matriarcat, mais la femme a sa place. Mm-hmm. À l'ouest, en pays pété, en pays d'Ita, à l'ouest, la femme a une grande place qu'elle occupe et on la respecte. Mm-hmm. Mais tu vas insulter à l'encontre du jeu de journée une femme et puis tu vois le monde entier se révolter contre une seule personne, contre lui. Toute l'Afrique est debout. Mm-hmm. Et nous allons signer une pétition. On va le rapatrier, il va aller chez lui, Niger. Il va aller au Niger, il va aller rejoindre ses parents là-bas. Quand les Nigériens, ils m'excusent, je leur demande pardon pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, mais ils n'ont qu'à venir chercher leur frère, on va respirer. C'est ça. On va respirer. Parce que tu vois, il est né de façon compliquée. Mm-hmm. Donc sa vie serait toujours comme ça. C'est ça. Il est né de façon compliquée. Dans la cuisine, il est né là. C'est comme ça. Ah. Un debout qui est un enfant d'un debout qui est. Ah, le total aussi. Donc ça fait que sa tête est remplie de fumée, comprenez-le. C'est pour ça qu'il fume beaucoup. Après, c'est fume beaucoup. C'est à la cuisine, ils ont fait debout qu'il y ait à sa maman. Ah. Après, il ne vient pas de la famille, il n'est pas ivoirien. Il n'est pas d'Ida non plus. Il n'est pas d'Ida. Ah. Parce que tu vois qu'on est là, il y a un autre d'Ida dedans. Mmh. Il n'y en a pas. Parce qu'il sait pourquoi il a changé son nom. Donc, il ne faudrait pas qu'ils nous en mettent sur la toile. Il n'a qu'à rentrer au Niger. On n'a rien à voir avec les Nigériens, mais ils n'ont qu'à venir chercher leurs frères. En tout cas. Du n'importe quoi sur la toile. Voilà, aujourd'hui, ils ont mis tout au dehors. Tout au dehors. Il a bouche pour parler. Il a bouche pour parler. Donc, il paye pas maison. Et s'il fait attention, tout même serait au dehors. En tout cas. En tout cas. Donc, je remercie 007, peut-être. Je le remercie pour la défense des femmes. En tout cas. Et je te remercie aussi parce que tu es une vraie femme. Merci et tu beaucoup. Es une femme adorée parce que tu éclaires même la nuit. Tu éclaires. Merci. Avec le boubou magique. Avec le... le boubou magique qui traumatise. Le boubou magique, tu l'as stressé. Tu l'as stressé, le boubou magique. Arrête-moi. Tu ne peux pas le stresser. Jusqu'il allait soulever le couturier. On peut traumatiser enfin des gens comme ça. On peut traumatiser enfin de quelqu'un comme ça, Adama. Tu vois, il pense que c'est le tête qui rend joli. Même quel que soit ce que tu vas faire, si tu es né boubou, tu es né boubou. Je suis né boubou. Il n'a qu'à enlever sa peau. Troisième peau, là, va rester sur lui. Mais il est toujours... Là où il est, il ne va pas changer. Mm-hmm. Salaud qu'il est, voici aujourd'hui, il paye le prix. En tout cas. Escalier qui est derrière lui, il n'a jamais vu sûr de monter un peu. Jamais. Il ne peut pas monter. Le monsieur lui a dit, si tu veux que je parle, monte un peu et tu descends. C'est il ça. Ne peut pas. C'est ça. Maman, je te dis merci. Merci à vous beaucoup. Aussi. Tu fais la fierté des femmes, tu fais la fierté des Ivoiriens sur les réseaux sociaux. Tu es un exemple à suivre. Aujourd'hui et demain et éternellement. Merci parce que beaucoup. Tu es clair et tu es vrai. Pas de quinto. Tu es la fille. Tu es clair à minuit 05. Merci beaucoup. Donc, je te dis merci, maman. Merci, bisous. Pour le point que vous avez fait descendre. Merci. David contre Goliath, voici les Ivoiriens qui ont réalisé les choses de la vie. C'est ça. David contre Goliath. Goliath est tombé hier. La fumée passe partout. C'est ça. Merci c'est ça. Beaucoup, maman. Merci. Amen. Merci. Au revoir. Appelez, donnez le cœur, putain. Donnez le cœur à toutes les mamans. C'est de ça qu'il s'agit. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, Malova. Oui, allô? Oui, bonsoir, Malova. Bonsoir, madame. Oui, avec le teint qui va oui, avec le teint qui va avec. Voilà. On vous écoute, madame. Vraiment. Bon, Don Giovanni, moi, sincèrement, je ne le supporte pas du tout. Mm-hmm.
Parce aucune que femme tous ne ces directs-là, tous ces directs, c'est pour injurer les femmes. En fait, je n'ai jamais vu un personnage comme ça de ma vie. Franchement, je n'ai jamais vu un personnage comme ça de ma vie. Quelqu'un qui passe tout le temps à insulter Eka. Pourtant, la fille ne lui a rien fait. Moi, je suis allé fouiller. Je pensais même qu'à un moment, elle avait fait un truc même contre lui. Mais rien. L'insulter, rentrer dans son intimité. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il prend Apoutou, il prend la pauvre dame Bleu Brigitte, l'insulter, il invente des choses sur sa vie, la femme, il ne la connaît même pas. Et tout ce qui me fait mal, et puis j'appelle ce soir, quand il fait un direct, et les gens sont dessus. Les gens lui donnent des cœurs, des femmes, les gens disent, oui, tu es dur, oui, c'est toi. Mais non, mais c'est pas possible. Mais c'est des femmes sans dignité, en fait. C'est-à-dire, il insulte les gens. Mais le petit, la pute, elle a déstabilisé. J'ai dit aujourd'hui, là, je crois que j'ai dû voir au moins 10 de ces directs de passage. Il est agité, il est déstabilisé. Il ne sait même pas ce qu'il va faire. Il tremble, il va dans tous les sens. Il y a le direct de pute, tout le monde entier, tous les pays ont appelé contre lui. Toi, tu es quel genre d'homme? C'est quel démon tu es? C'est quel démon tu es? Tu insultes la femme, ou toi-même tu es quitté là, tu insultes, et puis quand il insulte, mais il y a comme il est content, c'est-à-dire qu'il est heureux d'insulter l'intimité d'une femme. Il est content, tu sens même, tu vois l'expression de son visage même, il est content, putain, lui tombe. Je ne peux même pas prononcer ça. Mais les hommes là, j'ai dit les hommes doivent se lever contre ce gars-là. Parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas une histoire de femmes seulement. Les hommes doivent se lever, tout le monde doit se lever contre ce gars-là. C'est pas un homme, c'est pas possible. C'est pas un homme. Et puis, vraiment, je ne sais pas. Moi, je suis dépassée. Et puis, quand je vois les gens qui le soutiennent, en fait, c'est ça mais qui me dépasse même encore. On peut soutenir un homme comme ça, qui passe tout son temps à vilipender. Et puis, moi, tout ce qu'il raconte, rien n'est vrai dedans. C'est un mythomane. Il fait des témoignages. Tu as crois que c'est vrai. Il ment. Un moment là, il a pris à Yves Aipo. Yves Aipo, c'est un frère à moi. Je connais très bien la vie d'Yves Aipo. Mais tout ce qu'il a raconté sur Yves Aipo, là, il dit, moi-même, j'ai attrapé ma tête. C'est comme genre, tu connais ton quelqu'un et puis quelqu'un t'a parlé de lui. Il ment comme ça. Il dit, il ment sur les gens. Tu vois comment il est. Et les gens regardent. Les gens regardent. Il faut que les gens. Vraiment, les mots me manquent, Lova. Vraiment. Les mots me manquent. Ce gars-là, il me sort par les pores. Il dit, quand je défile même et puis je vois sa tête là même, je vais vomir. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, madame. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Donnez le cœur. Voilà. Quelqu'un qui n'a même pas payé son loyer. Donc toi tu ne payes pas maison, toi tu es quelqu'un de mythomane. Toi tu ne payes pas maison jusqu'on on t'envoie devant la justice. Et c'est toi qui viens traiter les gens de mythomane. Donc vous les riches là, vous ne payez pas maison. Mais un riche à toi normal ne doit pas louer maison. Un riche doit être propriétaire, mais pas être locataire. Donc Giovanni, papa n'a autocollant. Rougeau, tonton a escalier qui ne monte pas dessus. Toi, tu dis tu es riche, là, donc toi, tu loues maison comme nous. Toi, tu dis tu es riche, là, tu loues maison. Et tu ne payes pas ton loyer. Toi, tu dis que Eka est mythomane. Mais jamais quelqu'un est venu dire qu'elle n'a pas payé mon loyer. Quelqu'un n'est jamais venu se plaindre ici sur les réseaux sociaux. Pour dire que Eka n'a jamais payé mon loyer. Mais toi, on a mis ton cul dehors. Jusqu'à tes poils ont rouge. Tes poils sont devenus blancs un coup. Tu es riche et puis tu n'arrives pas à payer ton loyer. Adama, ils ont quand même dit que tu as acheté une maison. Parce qu'un riche qui est locataire, où on peut, Adam, on peut faire ça. On peut être mytho comme ça. T'as même ton mensonge là, ça t'a rattrapé. Ton mensonge là, ça t'a rattrapé. Tu n'as même pas l'argent pour t'entretenir. Regarde ton teint. Regarde ton tchat. Ton tchat est très sale.
Ton teint est délavé. Ton teint est délavé, mon frère. Tonton a autocollant. Quand on est dans Range Rover, là, il faut être au moins séduisant. Il faut être sensuel, sexuel. Ou bien c'est comme ça. Ah, on va pas tout gâter ici. Quand sensuel ou bien sexuel, ou téléphone aussi, il faut toujours enlever le code là. Allô? Bonjour. Oui, bonjour madame. Partagez la vidéo, ça ne montre pas là. C'est comment? Vous m'entendez? Oui, on vous attend, madame. Bonjour. Oui, bonjour. C'était juste pour intervenir du direct. D'accord, on vous écoute. Vous êtes très belle. N'écoutez pas les gens. Continuez ce que vous faites. Merci beaucoup. C'était juste pour vous dire ça, de continuer ce que vous faites. D'accord. N'écoutez pas. Vous avez un bon teint. Vous n'inventez pas de vie. Continuez, madame. Merci beaucoup, madame. Je vous aime fort. Merci pour le conseil. Je vous adore. Je vous fais plein de bisous. Votre fille, elle est très mignonne, votre fille. Merci, madame. Allez, bisous. Au revoir. Je suis Mauritanie. Oui, merci, merci. Oui. Quelqu'un qui achète un Range Rover avec un teint inachevé. Mon frère, quand tu assises dans Range Rover là, au moins ça, quand tu vas garer pour dire bonjour ma chérie là, ton teint n'est qu'à être au moins chic. Mais tu es dans Range Rover puis tu es sale, Adama. On peut avoir un sale teint comme ça inachevé et puis s'acheter un Range Rover. Mythomane. On peut être assis dans Range Rover avec un teint inachevé. Mais toi, quand tu vas garer là, tu vas dire bonjour à la fille. Elle va fuir, elle dit, mais attends, il veut me kidnapper. Elle va dire, au secours, un kidnapper. Mais oui, parce que tu regardes, tu ressembles à un kidnapper. Parce que quand tu vas garer là, la fille va avoir peur de toi. Elle va fuir. Pourtant, c'est pour la draguer. C'est toi qui as un teint yougos. Et puis les gens, les bonnes personnes parlent, toi aussi tu veux parler. Quand les bonnes personnes parlent, tu la fermes. Hein? Allô? Ah oui, allô, Lova? Oui. Allô? Oui, allô? Je suis sur le direct, Lova. Oui, madame. Ouais, du coup, Peter est en direct, il est en train de suivre ton direct. D'accord. Je lui ai dit d'être en direct. Ah, ok, donc, merci. Coup, moi, je veux. Allô? Oui, on vous écoute, maman. Oui, c'est moi qui t'ai laissé les voix tout à l'heure dans ton voice là. Okay. Donc, du coup, moi, c'est juste ce que je veux dire. Toutes les gens qui sont en train d'appeler là, il faut que toutes les femmes doivent se lever pour crier le ras-le-bol. C'est ça. De tonton Rougeau. Mm-hmm. Tonton Rougeau, il est en train d'insulter toutes les femmes. C'est ça. Il n'oublie pas que même Jésus, même Dieu utilisait les prostituées. Mm-hmm. Dieu a utilisé les prostituées. Mm-hmm. Dans la Bible, on parle des prostituées. Et lui, il insulte les Eka, les Brigitte Bleues, la maman d'Arafat, les Kamel, les Fleurs de Lille. Mm-hmm. Mais il oublie que Dieu utilisait les prostituées. Il pense qu'il a le monopole de savoir. Mm-hmm. Mais il a trouvé garçon devant lui. C'est ça. Il a trouvé garçon. Et le garçon là, c'est Peter 007. C'est ça même. Il faut qu'on mette le cœur pour Peter 07. Mettez le cœur. Parce qu'il n'y a même pas photo. Regarde la beauté de Peter. Regarde la mignoncité de Peter. Et puis tu regardes tonton Rougeau. Il n'y a même pas photo. Il n'y a pas photo. Un sugar daddy retraité. Il n'y a même pas match. Il n'y a pas photo. Mm-hmm. Tonton Rougeau est en train de transpirer. Il transpire. Ça fait déjà son 8e direct qu'il a fait aujourd'hui. En tout cas, on peut souffrir comme ça. En tout cas, il y a les hommes vaillants en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Peter 07 a prouvé que c'était vraiment un militaire en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Peter 07 a prouvé qu'il était un vaillant en Côte d'Ivoire.
Donc, il faut mettre les cœurs pour Peter 07. Parce que tonton Rougeau, c'est trop. Il insulte toutes les femmes. Il vilipende toutes les femmes. Mm-hmm. Et les gens sont dans son direct en train de commenter. Mais vous, les femmes-là qui commentez, où mais qu'est-ce que valeur. Vous avez dans vos têtes? Qu'est-ce que vous avez dans vos têtes? Excusez-moi, j'arrive. Oui, on peut tonton Rougeau habite seul dans sa maison. Mm-hmm. Tonton Rougeau n'a pas de femme. Tonton Rougeau, là où il est, sa thérapie, c'est les réseaux sociaux, matin, midi, soir. Mm-hmm. Mais il a trouvé garçon. Il a trouvé garçon devant lui. Mm-hmm. Patrice Conan a fait un direct pour crier le ras-le-bol de tonton Rougeau. Mm-hmm. Il ne faut pas qu'il se moque des femmes qui font la prostitution, parce que cette prostitution-là aide les femmes à payer l'école aux gens qui sont en Afrique. Mm-hmm. Cette prostitution-là aide les femmes qui sont sur les maisons en Afrique. Mm-hmm. Mais lui qui, pour venir insulter les femmes, insulter Brigitte Bleu. Normalement, Apoutou devait faire un direct spécial pour lui, pour dire non, trop c'est trop. Mm-hmm. Mais il a trouvé garçon qui est Peter 07. C'est ça. Peter 07, bravo mon bon petit. Prends les cœurs. Prends tes cœurs, Peter, parce que tu es le seul qui a essayé. Peter, tu es le seul qui a fait que tonton Rougeau, en une journée, il a déjà fait 7 directs. Dans le même t-shirt, là, même t-shirt. Il achète une Range Rover. Il est parti prouver qu'il a acheté une Range Rover. Avec l'argent de Range Rover, il y a les enfants qui meurent de faim en Afrique. Mm-hmm. Il n'a pas conçu une maison en Afrique. Il part acheter une Range Rover et puis il part habiter dans une maison commune. C'est un menteur. Il part habiter dans la cour commune. C'est un menteur. Mais ça, c'est la honte, tonton Rougeau. Ça, c'est une honte. Vraiment. Regarde Peter 07. Il est avec son enfant. Mm-hmm. Il se promet. Ton enfant est où? Ton enfant est où, tonton Rougeau? Il n'a pas d'enfant. Lova, on est là, tout le monde suit ton direct. Mm-hmm. Peter, même s'il ne connaît, il ne commente pas, mais il te suit. Je lui ai dit de te suivre, il est là, il écoute, il est en train de suivre ton direct. Et merci beaucoup pour tous les gens qui sont en train d'appeler pour intervenir, pour dire non à tonton Rougeau, de ne plus insulter les femmes. C'est ça. Parce que Dieu utilise les prostituées pour confondre les sages. C'est ça. Partagez la vidéo, je commence à avoir la migraine là, parce que si vous ne partagez pas, je quitte, je coupe le direct. Non, merci. Tu ne peux pas quitter, parce qu'on est là pour... C'est Peter 07. Maman, les gens ne partagent pas. En fait, les gens ne partagent pas. Comme ça, ça me donne la migraine déjà, les gens ne partagent pas. Moi, j'ai déjà partagé dans mes 7 groupes. J'ai partagé parce que c'est trop pour tonton Rougeau. Voilà, j'ai moi partagé. Je fais ça, voilà. Au moins, pour me motiver, partager avec le thé qui va, regardez la coiffure. Naturellement bio, non, vous voulez voir. Non, tu dias. Sans perruque. Le thé, ça dias. Vous voulez voir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Merci. Appelez les femmes, appelez. Vous allez donner le cœur à Peter. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Sinon, je vais partir, hein. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Hein? Partagez la vidéo, mettez le cœur. Mais qui fait appel vidéo là même? C'est quoi ça? Voilà. Quelqu'un qui achète Range Rover avec un teint inachevé, mon frère. Il faut arranger ton teint d'abord parce que ton teint est très sale. Tu as un teint yougos. Imagine-toi, tu es assis dans Range Rover. Tu vas t'arrêter pour dire que tu as dragué une fille là, mais elle va fuir. Elle va crier au secours, il va me kidnapper. Au secours, il y a un kidnappeur. Parce que tu ressembles à un kidnappeur. Ton teint là. Oh, faut voir les gens qui sont. Regarde un peu, excusez-moi, hein. Regarde un peu Marco dans sa Range Rover. C'est pas si on dit une ou bien un, mon cher. C'est Range Rover. Regarde un peu Marco dans Range Rover. Eh oui. Tonton Oboubou Magique. Lui, il a déjà son surnom. Tonton Oboubou Magique. Regarde-le un peu dans sa Range Rover. Lui, au moins, là, il est un peu sensuel. Il est un peu séduisant.
Il est bien attirant. Même si le gars s'arrange rover, il dit bonjour à une fille là, elle ne va pas refuser de lui donner son numéro. Eh oui, elle ne va pas refuser de donner son numéro à tonton en boubou magique. Mais toi, regarde-toi. Regarde-toi. Quand tu vas même garer même ton soir du genre rouge, rouge, mais je ne sais quoi là. Mais la fille va dire, mais mon Dieu, c'est qui ce villageois? Mais d'où viens-tu? Au secours, mais c'est un clochard. Mais la fille va fuir. Ah, si. Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Qu'est-ce qui se passe? On vous écoute. Moi, je vous entends très bien. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais c'est tout bien. Ah, mais moi, je vous entends si... Oui, on vous attend, madame. Je peux vous donner des cœurs rouges, habitat 00. Merci beaucoup, mettez assez de cœurs. Je ne suis pas ivoirien, mais je suis tellement les ivoiriens dans les réseaux sociaux. Mm-hmm. Ils sont en part de l'habitation, là, vraiment, on est tête sous les nerfs. En tout cas. Quand j'ouvre mon téléphone et que je vois un nous, je zappe parce que je sens que tout ce qu'il pourra faire. En train d'insulter les femmes, insulter tous les femmes, ne comprenez qu'un homme qui passe son temps à insulter les femmes, c'est un homme qui a tout ça. Si vous regardez bien ce tonton de tension, vous vous appelez tonton Giovanni, sachez que ce type ne fonctionne pas en bas. Donc c'est pour ça qu'il s'en parle aux femmes. Ok. Ce monsieur ne se lève pas. Parce qu'un homme qui se lève ne peut pas passer son temps à insulter les femmes comme il ça, le c'est sûr. Comme il le fait. Donc, toutes les femmes ivoiriennes vont se verser sur ce monsieur, lui dire ce qu'il est. Pour qu'il attende comme quoi lui dire ça. Je vais lui dire, verser comme un fou dans la rue. Ce n'est que le début du commencement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci pour les cœurs, Coupita 007. Merci. Au revoir. Voilà, toi tu t'habites des gigolos, mais gigolodesme, c'est pas permis à tout le monde. Mais toi, qui va te prendre comme gigolo? Toi tu cherches à être à la place de puteur, mais tu peux pas avoir. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, Lova, Lova. Bonsoir, madame. Comment vas-tu? Très bien, merci à vous. Merci, ça va. Ben, moi, j'appelle pour papa, je sais pas, papa, tonton Rougeau, papa Rougeau. Ok, on vous écoute. Au fait, moi, je vous dis merci pour la peine que vous avez libérée. Au moins, nous qui ne pouvons pas faire de direct, on peut quand même lui parler aussi. Parce qu'après, il écoute tous les directs là. C'est ça, c'est ça. Ça donne que, au moins nous aussi on va parler, lui mais il a déjà dit tout à l'heure dans son direct que tous ceux qui font direct, on appelle dessus, souvent il y a d'autres qui sont à 300 vues, tous les 300 personnes là c'est les illettrés. Il y a d'autres qui font 4000 vues et 4000 personnes, les 4000 personnes on est illettrés nous tous. Voilà, donc maintenant on est illettré, mais quand même, lui qui était, je ne sais pas, il allait à l'école, il a eu BTS tout, mais il est bête. C'est parce ça. Que si tu n'es pas bête, tu ne peux pas insulter une femme. Aujourd'hui, le problème qui est venu là, il y a d'autres même qui n'aiment pas, puis t'es heureux, hein. C'est ça. Mais aujourd'hui, tout le monde est derrière lui comme ça. Tellement que tout, bon, on t'attendait même, on attendait qui pouvait aller chez toi et puis ça allait donner. En tout cas, moi, j'appelle pour dire merci à putain 007. Peut-être qu'il va avoir bouché, c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Il va parler. Mais néanmoins, le monde entier sait que le gars, là, en tout cas, l'a baissé un peu. C'est ça. Là, il ne sait plus quoi dire même. Il explique maintenant tout le monde. En tout cas. Le monde. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait tout à l'heure là? Il insulte. En tout cas, tout le monde.
Il a commencé à l'insulter encore. Quand il a commencé à l'insulter, même s'il a appelé ses amis, à cause de leurs commentaires qu'il a vu, direct de Twitter, de cette, tout cela, il a fait les ménager maintenant. Ah, c'est un fou, il y avait des miracles qui partageaient et qui prenaient ses directs, ses vidéos pour faire ses directs. Aujourd'hui, il y a ce qu'il a dit. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie, ce sont des personnes qui l'ont soutenu. Donc, elle accepte les retombées, voilà. Donc, ça, moi, franchement. Oui, ça la prendra, ça la loupé. Tout le monde, actuellement, tout le monde. En tout cas, lui, je peux là. S'il y a quelqu'un qui fait direct, tu n'es même pas mis à la personne. Quand tu dis la personne a fait faire direct pour tonton Rougeau net, tu es obligé de taper son nom pour aller regarder ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, merci. Et ce chien-là, c'était à faillir de là, il peut changer. Mm-hmm. Il peut changer. Il dort où même, et puis il a pas de voiture, on ne peut pas dormir. Vas-tu même toi, on peut prendre crédit, nous-mêmes on n'a rien à Paris, si les gens de Paris qui l'invitent là, on n'a rien, mais on peut acheter ça là. C'est ça. C'est crédit, c'est pas cash. En tout cas, merci qu'est-ce beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut pas acheter? Mais faut qu'on suive chez toi. C'est ça. Ceux qui ont été incités, ils étaient là. On est beaucoup, hein. On a déjà fait quand même petit chose chez nous. Mm-hmm. On dit même, Dibo, pas Abidjan, Dibo, va mettre briques là-bas, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, ça ne s'agit pas. On va mettre partout, il va jouer au gros dos aux États-Unis et ton cul est vide ici. Mm-hmm. C'est pas de ça qu'on parle. Mm-hmm. On dit, faut aller construire, faut vendre ça, tu vas aller construire. Mm-hmm. C'est de ça qu'on parle. C'est ça. Il y a des gens qui appellent, qui connaissent chez lui à la maison, il n'y a rien. C'est de ça qu'on lui parle. Il n'a qu'à laisser, il a essayé ma voiture, ils sont jaloux. Qui n'a jamais vu? Qui ne peut pas, si tu as envie d'avoir ça, ok, tu peux prendre crédit et puis te mettre dedans. C'est mais ça. Crédit, tu vas prendre pour te mettre pour payer une voiture là. Si tu as construit une maison à Yopo, à Bigger là-bas là, tu as déjà fait. Donc, comme il ne connaît rien, et puis c'est lui qui trouve que les enfants, il est très là. C'est pour dire que lui-même, c'est lui qui est le premier, il est très. C'est Narine, on dirait tout des rats là. En tout cas, c'est merci. C'est Narine, on dirait tout des rats, genre, ils ont creusé les rats jusqu'à tellement que les rats au loin, ils sont. C'est lui qui est. Il est très sûr, c'est pas les gens qui sont, il est très. Je sais même pas quoi lui dire cette histoire. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci pour Eta, merci pour Blaise Brigitte, merci pour toutes les femmes qu'il a incitées, parce qu'il n'est pas quitté d'encore. Il est quitté en haut pour tomber. Merci beaucoup. Merci il ne pense même pas à Poutou, à Poutou est sur l'espoir. Si à Poutou est incité quelqu'un que toi tu aimes, tu n'es pas incité à Poutou lui-même. Mais tu insultes la pauvre dame jusqu'à un jour, jusqu'à oh là là. Merci. Merci à vous aussi. Tout ce qu'il a dit, il n'a pas fait. Il n'a pas fait peut-être femme. Parmi ses enfants, il n'y a pas de femme. Sa maman ne vit plus. Il n'a pas de soeur. Selon tout ce qu'il dit là, s'il a écouté ta vidéo là, c'est à ses parents, à ses proches, ce qu'il a dit tout ça là. Merci beaucoup, madame. Merci. Allez, bisous. Ouais. Ciao. Ouais. Ouais. Si vous voulez appeler, pardonnez-moi, je veux que tout le monde ait qu'à appeler. Mais quand vous appelez, faites au moins 2 minutes comme ça, les autres vont vouloir appeler. Parce que si chacun veut faire 7 minutes, 5 minutes, on ne va pas s'en sortir. Merci. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour Nova, Nova. Oui, bonjour madame, excusez-moi, vous avez 2 minutes, c'est bon pour vous? Oui, Malova, bonjour. D'accord, on vous écoute maman. Oui, Malova, d'abord je te dis merci. De rien. Merci pour tout ce que tu fais. Tu es très belle. Merci avec beaucoup. Le thé qui va avec. Avec le teint, merci beaucoup. Tu gâtes. Avec la petite robe, le style, là. Tu gâtes le poing. Merci beaucoup, merci, voilà, ça me fait plaisir. Ça crépite et ça crépite. On peut déjà comme ça, merci beaucoup. Voilà, donc moi j'appelle à vous dire à notre frère, comment il s'appelle, Capitaine 007, que non, il a mis un bim. Un gros film. Le gars est trauma choqué. C'est ça. Il ne sait même plus si un pied danser. Il a gagné. Il n'y a rien à faire. Il venge les femmes. Vraiment, moi, je lui dis merci. Je lui fais un gros bisou. Surtout qu'il ne lâche pas l'affaire. C'est ça. On le soutient avec Britel. On le soutient. Il n'a qu'à le malmener. Parce qu'il insulte les femmes. Là. C'est comme ça qu'il n'a qu'à le charger. Quand il va les déposer là. Il va prendre congé. Si Facebook, il va plus venir.
Voilà, c'est ce que j'avais à dire. En tout cas, vraiment, merci. Gros bisous à toi. Bonne bien. Merci. Et puis, je t'appelle de Laval, à côté de Rennes. Mmh. Bisous, bisous. Bisous. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, quand tu étais quelqu'un de gigolo, là, toi-même, lui, il veut être à la place de Peter. Il veut être, il veut que les femmes, une femme n'a qu'à l'entretenir. Mais à un homme comme ça, c'est quelle femme qui va le prendre? Modèle de garçon compliqué comme cela, là. C'est quelle femme qui veut de lui? Donc, c'est-à-dire que c'est un monsieur, il est aigri. Il est jaloux, il est frustré. Il est frustré. La jalousie, la haine, là, c'est dans son cœur. Voilà. C'est dans son cœur. Il se pose la question, ah, il n'y a même pas de femme qui veut de moi. Lui, il cherche même place de gigoloya là, pour être dedans. Aucune femme ne veut de lui. Modèle de garçon comme cela, lourd comportement, lourd visage, hein, narine aspirateur là, qui va te scriver de lui? Donc, il est aigri. Voilà, il est aigri. Et qu'il assume les retombées. Quand je vais porter plainte, plainte là, il faut pas que tu vas forcer ça dans ton anus. Prends la plainte là, enfonce ça dans ton anus. Donc ça fait mal. Hein, ton sale tchatcholi là, ton sale teint, un homme qui se tient. Regarde ton teint. Teint les sales, visage les crasseux comme ça. Crasseux comme ça. Toi, tu penses que genre, tu as le monopole d'insulter les femmes. Tu penses que tu n'as pas ton ami garçon, ce qui va, qui a leur couille comme toi. Hein? Tu penses qu'il n'y a pas un homme qui va te récupérer? Aujourd'hui, tu as croisé garçon. C'est-à-dire que c'est jusqu'à la gare. Toi et puis Peter, là, c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Parce que quand tu avais commencé, là, d'abord, il ne t'a même pas attaqué. Hein? Peter n'avait même pas affaire à toi. Il a parlé dans l'histoire de Chamberlain. Toi, tu as pris à faire la tête, tu as charrié sur sa tête. Tu as charrié sur ta tête. Matin, ministre, tu es sur lui. Matin, ministre, tu es sur lui. Tu pensais qu'il avait peur de toi? Tu pensais qu'il avait peur de toi? Il n'avait pas peur de toi. Mais c'est parce qu'il cherchait de ton côté fort où il allait te frapper. Et voilà, maintenant, tu es là, tu trembles. Tu es dans le même t-shirt là, même t-shirt là. Même t-shirt là, odeur de transpiration, odeur de tchatcholi, odeur de cigarettes. Gaz carbonique. C'est quelle femme? Il n'a pas de femme. La femme qu'il a eue, la femme camerounaise d'après lui dit c'est sa femme. Elle est diplômée, elle est quoi quoi là. Mais il y a longtemps elle a jeté. Il y a longtemps qu'elle a jeté. Elle va faire quoi elle lui? Quelqu'un qui ne travaille pas, qui vit dans location, qui ne paye pas le loyer. Attends, mais femme, elle va prendre homme comme ça, c'est pas ça qui a problème. C'est pas ça qui a problème. Qu'est-ce qu'elle va foutre derrière lui là? Elle a fui avec l'enfant. L'enfant n'est pas né aux États-Unis. L'enfant est né où elle est là-bas. Il n'a jamais vu l'enfant là. Il n'a jamais vu l'enfant là. Ça, c'est garçon. Tu vois, tu insultes les femmes en longueur de journée. Il y a quoi? C'est quoi? Si toi, on t'a eu dans la cuisine là, si la fumée est remplie dans ton cerveau là, est-ce que c'est de notre faute? C'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Voici ton ami garçon. Il faut laisser les filles là. Il faut les laisser. Réponds à ton, c'est toi, putain. On dit voiture là. Tu loues ça. Tu payes 500. Tu vas payer 500 dollars. Il y a quoi dollars là par mois? Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. À ton âge, tu as loué une maison pour montrer quoi à qui? Pour séduire qui? Même ton modèle, ça ne séduit personne. Ce n'est pas voiture que tu as monté qui va séduire quelqu'un. Tu ne séduis pas quelqu'un. Donc, tu te fatigues pour rien. Moi, je pense que quand tu sors dans Range Rover, tu vas attirer les filles. Et puis, elles vont te regarder. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire avec toi? Un clochard comme toi? Elles vont faire quoi avec toi? Oui, allô? Allô, ma soeur, Lova. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais intervenir à propos de M. Rougeola. D'accord, vous avez deux minutes. Je suis togolaise. Je suis togolaise. Il n'y a pas de souci. Tout va bien. Vous avez deux minutes. Ok, ce monsieur-là, il me nerve d'une manière. Quand je suis c'est direct là, ça me nerve d'une manière là, la façon dont il insulte les femmes
une femme chez Missy, c'est sacré, hein, c'est sacré. Mm-hmm. Et je dis, je fais un gros bisou à Peter 00. Bisous, prends tes cœurs. Oui. Oui. Il a mis son cul dehors là. C'est bien fait pour lui. Mm-hmm. Demain là, ça va l'apprendre. Ok, ça. Bye bye. Bisous. Merci, merci beaucoup. Ouais. Akwe kaka. Merci ma belle. Oui, au revoir. Oui. Voilà. Ça l'apprendra. Faut pas le laisser. Il dit, hein, aujourd'hui, on est derrière toi. Tu es notre sauveur. Voilà, tu es venu nous sauver la vie. On est derrière toi, on te supporte. Même si tu as allé de l'autre côté là, on s'en fout, mais aujourd'hui là, on est avec toi. Mm-hmm. On est avec toi. Parce que au moins, il y a eu quelqu'un au moins là qui vient donner sa poitrine. Voilà, attends, t'es un vrai militaire. Il n'a pas peur d'aller au front. Donc, comment il s'appelle? Papa Nautocron, il est rien. Attends, il va le froisser comme ça. Je vous dis que même t-shirt là, ça fait 1000 fois qu'il porte ça. Tellement il est traumatisé, il porte ça 1000 fois. Hein? Les autres là, ça vous a loupé. Hein? La fille qui est en train de crier, yeah, 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 ma chérie. Vous pensez que c'est des gens comme ça? Mon papa, Henri n'est pas ton père. C'est plus ton père. Hey, mon vieux père. Oh, mon papa, ah bon? Donc quand il insultait les autres là, vous êtes en train de vous rigoler. Hein? Vous rigolez, vous faites statue. Le gars s'est déchaîné sur toi là. Maintenant ah ma chérie, bois un peu d'eau. Donc quand vous insultez les gens là, ça fait pas, ça fait mal. Maintenant à votre là, vous voulez vous enflammer. Ah, de la manière qu'il insulte ta camarade femme, et puis tu le soutiens, et puis tu l'applaudis, c'est de la même manière qu'il va se retourner contre toi. Mm-hmm. C'est de la même manière, il va se retourner contre toi. Pourquoi tu es trop agité? Faut pas être agité. Il faut continuer à l'applaudir. C'est ton vieux père, non? C'est-à-dire que c'est votre coach. Il vous a coaché dans les injures. Mm-hmm. Il vous a coaché dans l'impolitesse. Il vous a coaché, c'est-à-dire qu'il vous a bien formé. Mm-hmm. Maintenant, là, le coach maintenant retourne contre toi. Ah là, là, ça t'a piqué. Maintenant, tu es excité. Ma chérie, c'est comme ça. On dit que c'est la chaîne alimentaire. Chacun à son tour. Donc, de la manière qu'il entend les trucs, là, c'est comme ça, il va retourner contre toi. Donc là, insultez-vous là-bas. Mm-hmm. C'est le karma. Comment on appelle le karma? Mm-hmm. C'est le karma de Eka. C'est le karma qui est là. Vous allez vous insulter entre vous. Aujourd'hui, là, vous êtes là. Hein? Vous êtes là, papa n'a autocollant, non, arrêtez votre hypocrisie là, arrêtez votre hypocrisie là, quand tu es trop hypocrite là, ton temps est inachevé, oui, quand tu es hypocrite dans la vie là, ton temps est inachevé, lavez votre cœur, pour que votre cœur soit pur que ça, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont appelé. Si vous n'êtes pas fatigué, vous pouvez continuer pour appeler. J'ai mis ce direct pour que chacun, pour celles qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de parler, au moins qui ne peuvent pas faire de vidéo, comme nous autres, puissent intervenir. Voilà, donc, vous avez la place. Donc, papa, notre collant, bois un peu d'eau. Mais c'est le coach d'un groupe de méchants. Eh oui, c'est le coach d'un groupe de méchants. Aujourd'hui, là, vous tous, le karma existe. Vous qui avez dénigré cette fille-là, qui ne vous a rien fait, qui l'avait insultée en longueur de journée, qui l'avait manqué, on dit Emmanuel. Vous connaissez la signification d'Emmanuel? Vous connaissez la signification d'Emmanuel? Emmanuel, ça signifie Dieu est avec nous. Eh oui. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Donc quelqu'un qui s'attaque à quelqu'un qui s'appelle Emmanuel, qui est protégé par Dieu, mais vous attendez quoi en retour? Mais vous serez attaqué. Parce que quand quelqu'un ne t'a rien fait, quelqu'un ne t'a jamais insulté, et puis tu te mets sur la personne matin, midi, soir, tu insultes la personne là. Mais il faut t'attendre à les retomber.
Donc vous tous qui l'avez insulté là, vous aurez votre part. C'est comme ça, vous allez vous insulter un à un. Vous allez vous manger un à un. Vous allez vous dénigrer un à un. Hein? C'est ça. Donc ne venez pas me dire, il y a l'autre là, laissez ça. Elle là, ça l'a loupé. Eh oui, ça l'a loupé. Si vous pouvez, il est quand même bim encore même. Bim encore. C'est de ça qu'il s'agit. Il est quand même bim encore même. Bim de ça. Eh oui, que chacun attrape sa tête. Donc, Peter, prends ton cœur. Eh oui, prends ton cœur. Serveuse. Il faut donner au moins 10 casiers de champagne à Peter. Envoie-moi la facture, c'est moi je paye. Envoie-moi la facture, je paye. Même tous les boubous magiques, papa n'a un boubou magique. Il soutient papa n'a autocollant. Même papa n'a un boubou magique. Un homme comme ça aussi, on le soutient. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, ma belle Lova. Comment tu vas? Très bien, merci. Et vous? Ouais, c'est magnifique. Merci. J'aimerais intervenir dans ton direct. D'accord, on vous écoute, madame. D'accord, c'est pour te dire d'abord, excuse-moi si je te tutoie. Hein, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Juste pour te dire que tu es magnifique. Et puis concernant Don Giovanni, c'est en fait, il a un comportement de quand on était à l'école à l'époque, ta camarade te dit, je vais te frapper, ton cœur bat, je vais te frapper. Et puis un jour comme ça, Dieu te donne la force vraiment auquel tu t'attends pas, quoi. Moi, je pense que ça l'a surpris. Tu comprends? Oui, oui. Et Peter 00, c'est vraiment, c'est quelqu'un à féliciter. Je pense que toutes les femmes, nous devons vraiment le remercier pour le combat qu'il a fait. C'est ça. Il n'a mis pas, c'est pas encore fini, mais franchement, le peu qu'il avait, il y a même une chanson qui est sortie à son nom. Donc, c'est victoire, quoi. On doit vraiment le féliciter, même s'il n'est pas parfait, mais son côté qui n'est pas parfait, c'est mieux par rapport au côté de tonton Rougeau, en fait. C'est ça, quoi. C'est ça. Donc, c'est ce que je voulais dire pour ne pas trop prendre le temps. Et vive les femmes, vive. Merci pour ton combat, je te suis. Merci. Depuis Facebook, YouTube, tout ça. Merci. Où tu vas, je suis là-bas. Merci. Donc, c'est pour te dire bon combat et puis salutations à tous tes abonnés. Merci. Depuis la Suisse, en fait. Bisous merci. À vous. Bisous, merci, merci beaucoup. Bisous. Merci, ma belle. Merci. Ciao, ciao. Ciao, oui. On dit le direct là. Les femmes, appelez, vous allez donner le cœur. C'est pour vous. Voilà, même si c'est pour faire deux heures, trois heures, moi, je fais ça pour vous. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Allô? Allô? Oui, allô, Lola, Lola. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai dit maintenant, je comprends comment tu as détecté le nom de Ekar. Mais oui! C'est ce que son nom signifie, quoi. Moi-même, mon fils là, mon fils il s'appelle Emmanuel. Oui, ça veut dire Dieu est avec nous. C'est pas un nom qui est comme ça, c'est un nom qui est le symbole de Dieu. Oui. Maintenant, je comprends. C'est ça. Sinon, regarde ici, Chambellan s'est marié ici, là, tout le monde voulait mettre la honte au ciel. Dieu a mis eux-mêmes les cuits dehors. C'est ça. Voilà quelqu'un qui se réveille chaque matin encore. Écart, son corps est comme ça, femme de rue, femme de comme ça. Voilà son gros cri, Dieu a mis dehors encore. C'est et ça. Écart fait comment? Elle parle pas, elle dit que Dieu fait son travail. Dieu peut aimer un enfant comme ça. C'est le nom qui importe. C'est le nom qui importe. C'est que Dieu il m'aime, mais pour Ekala, c'est pas grave. En tout cas, je suis très contente. Merci. Giovanni a trouvé son ami garçon. En tout cas, en merci. À cause d'Eka, je suis très contente. Parce qu'Abidjou, lui, pour lui, je ne suis pas trop. Parce que lui-même, il pouvait être défendre. Ah, lui, c'est un hypocrite. C'est les hypocrites. C'est les hypocrites. Depuis longtemps, lui-même, il est comme ça aussi. C'est les hypocrites. Moi, je n'aime pas les hypocrites. À son côté faible, là. Donc maintenant il se calme. Mais c'est sinon, ça. Sinon, et quand même là, il dit Dieu a fait son palabre deux fois.
Ah, en tout cas, les hypocrites. En tout cas, c'était bisous. Ce que j'avais à dire. Bisous, bisous. Au revoir et merci beaucoup. Bisous, merci. Merci, fraîche. Ma chérie. Makoso. Merci. Il va tourner jusqu'à... Eh, Makoso. Eh, laisse. Il a dit, c'est papa Namboubou magique. Bisous. Papa magique, on va terminer là-bas. Hein. Bisous, ma chérie. Bisous. Hein. Merci. Au revoir. Oui, oui. Donc, papa Namboubou magique aussi, là. Lui aussi, il soutient les bêtises. Parce que c'est le même groupe, là. C'est le même insulteur de femmes. C'est le même immature. Même papa Namboubou magique. Vous savez de qui il s'agit? Même papa Namboubou magique. Lui aussi, il le soutient. Parce qu'il n'a jamais allumé son téléphone pour dire « Tonton est autocollant. » Arrête-moi ça, il faut respecter la femme est sacrée. Mais c'est le même groupe en fait. Allô? Oui, la star, Lova Lova. Oui. Allô, Lova Lova. Oui, allô, on vous entend. Je suis enjaillée. Je suis enjaillée avec Peter 07. Mm-hmm. Je suis enjaillée avec Peter 07. Mm-hmm. Je dis, je suis enjaillée là où je suis là. Tout le monde enjaillée même jusqu'à. Parce que. Hein? Tout le monde enjaillée jusqu'à. Je suis enjaillée jusqu'à. Mm-hmm. N'y apparaisse. C'est ça. C'est tonton ça. Rougeau. Tonton Rougeau. Mm-hmm. Il est fou. Tonton Rougeau est devenu malade. Si c'est on ça. Peut au moins amener un psychiatre. Mm-hmm. Tonton Rougeau est fatigué. Tonton Rougeau, vraiment, vraiment, ce monsieur-là, il ne mérite pas que, vraiment, qu'on regarde même ses directs. Mm-hmm. Il ne mérite pas. Il ne mérite pas vraiment. Parce qu'il faut que toutes les femmes de la toile doivent faire les directs contre lui. C'est parce ça. Que là, maintenant, c'est une opportunité que 07 nous a ouvert. Mm-hmm. Pour dire non. Parce que c'est trop. C'est ça. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, ouais. Oui. Trop, c'est trop. Tonton Rougeau n'a pas de femme. La femme camerounaise même a pris enfant là. Elle a fui. Il est seul dans la maison. Comme vous voyez, Tonton Rougeau là, c'est sa thérapie. Mm-hmm. Les réseaux sociaux, c'est sa thérapie. Matin, midi, soir, c'est sa thérapie. Et maintenant encore, Peter a fait bim encore. Il n'a pas de femme. Mais il est seul, il est malheureux en fait. Il a envoyé au coma. Il a une vie malheureuse. Il n'a pas de femme. Aucune femme ne veut de lui. Il souffre. Mais si il n'a qu'à monter escalier. En tout cas. Escalier qui est là. Il n'a qu'à monter escalier là. En tout cas, bravo. Bravo beaucoup. Merci à mon Moro, mon vieux Moro. En tout cas. 07. Moi, je suis camerounaise. Mais c'est trop. Il a insulté toutes les Camerounaises qui sont prostituées. Mm-hmm. Il a insulté une star des réseaux sociaux camerounaises, Fleur de Lille. Il a insulté son con, comment son nienne est, comment. Lui, il insulte toutes les femmes. Il insulte toutes les femmes. Il insulte toutes. Toutes les femmes, il n'y a même pas lui, il n'a pas insulté. Même moi, maintenant, de prostituée. Tonton Rougeau, tu es né où? Tonton Rougeau, tu es sorti dans quel camp? Ah! Tonton Rougeau, tu as insulté maman d'Arafat. Tu as insulté Tina Glamour, Tonton Rougeau. Est-ce qu'on peut faire ça? Tu as insulté Eka. C'est un maudit. Il a raté merci sa vie. Beaucoup, Peter 07. En tout cas, c'est juste pour te dire que mm-hmm. Peter est en train de regarder ton d'accord. Direct. Mais tous les gens qui attendent que Peter va faire le direct aujourd'hui, il ne va pas faire le direct. Parce que Peter, c'est un militaire. C'est ça. Un c'est militaire ça. Ne se presse pas. C'est un ça. Militaire tout est dans temps. Son coin. Yeah. Il regarde comment mm-hmm. tout ça fonctionne. Et puis quand il va sortir, c'est là où il va faire bim. Mm-hmm. C'est ça. C'est un militaire. C'est un militaire, vraiment. Celui-là, il a trop insulté les femmes. C'est mm-hmm. trop. Il insultait les Camerounais. C'est comme s'il connaissait tous les Camerounais. C'est ça. C'est ça. Tous les Camerounais ne sont pas prostitués. Il y a des Camerounais qui construisent les maisons dans leur pays. Mais la prostitution n'est pas méchante, c'est pas mauvais. Vraiment, qu'il arrête. Qu'il arrête ça. Qu'il arrête. Merci cas, Peter 07. Merci beaucoup. Merci franchement, à toi aussi. Mon frère Peter 07, tu es vraiment un vrai combattant. Il est béni. Tu il es est un béni. Merci, au revoir. Merci, au revoir.
Vous comprenez? Même papa Namboubou magique, il soutient tonton autocollant parce que c'est des mêmes personnes là. Ils sont dans les mêmes bêtises. C'est des mêmes personnes qui ne respectent pas la femme. Oui, c'est des mêmes personnes là qui n'ont aucun respect pour la femme. Est-ce que vous comprenez? Donc papa autocollant là, papa Namboubou magique là, il le soutient. Il les soutient. Mais lui là, sa dose arrive. C'est lui qui n'est, quand on le prend un peu, il est traumatisé, non? Il n'est qu'à continuer. Il ne faut pas s'asseoir quand, en tant qu'un homme, ou bien un homme de Dieu, pour donner un conseil à quelqu'un qui est perdu, ou bien il va le délivrer. Parce que papa, tonton autocollant, il a besoin de délivrance. Il a besoin de délivrance. C'est-à-dire qu'il a un esprit qui le dérange. Donc, il doit être délivré. Il a besoin de délivrance. Parce que quelqu'un qui est normal, là, ne peut pas se comporter de la manière que ce vieux-là se comporte, là. C'est une honte. C'est une honte. Quand il vient vous mentir pour dire qu'il est marié, là, il n'est pas marié. Moi, je vous dis qu'il n'est pas marié. La fille qui dit que c'est sa femme, là, ils ne sont plus ensemble. Elle a fui avec l'enfant, là. Même depuis que l'enfant est né, elle n'a pas vu l'enfant là, de ses propres yeux. Elle n'est plus avec lui. Mais pour enlever la honte sur lui-là, pour enlever la frustration sur lui-là, il est obligé de dire que je suis marié. Il n'est pas marié. La femme-là, elle est partie avec son enfant. Donc, il est seul là-là. Il est tellement aigri. Il est tellement aigri que l'aigria va le tuer. Donc, famille, bon, je pense qu'on a assez parlé. Hein. Voilà. Tout le monde a appelé, tout le monde a dit ce qu'il pense de tonton en autocollant. Oui, le tonton qui marche jamais, qui ne monte jamais sur ces escaliers-là. Hein? Le tonton qui ne monte jamais sur ces escaliers-là. On te dit qu'il faut monter ces escaliers. Je vais vous montrer la vidéo, je vais vous montrer une vidéo et puis on va se laisser. Où on a mis son cul dehors. On te dit qu'il faut monter ces escaliers-là. La honte de ça, c'est la honte tu es. Je vais vous mettre la vidéo et puis on va se dire au revoir. Parce que on a quand même passé un peu de temps, c'est bien. Ça fait plaisir. Chacun a dit ce qu'il pense. Attendez, voilà. Voici la vidéo de la honte. La vidéo de la honte. Quelqu'un comme ça, la honte. Le monsieur dit que la personne qui a appelé dit que avant de parler, il faut monter d'abord sur l'escalier. On peut honnir quelqu'un comme ça. Je vais vous mettre encore. Puis, c'est là, on va s'arrêter là. Vous allez écouter. Hein? Duplex là, il faut monter cet escalier là. Est-ce que tu as besoin d'insulter sa maman? Est-ce que tu as besoin d'insulter sa maman pour ça? Si tu es sûr que escalier là, c'est pas autocollant là, que c'est escalier normal là, pourquoi tu ne montes pas? C'est-à-dire que pour mettre la honte sur le jeune même là, tu devais monter sur l'escalier là. Adama, tu vois les retombées, tu vois les choses comme ça? Et puis son t-shirt là. Ça fait plus de... Depuis que Peter l'a délivré là. Hein? Depuis que Peter l'a délivré là, même t-shirt là.
Même t-shirt, ça fait 1000 fois, il porte ça. Avec les narines qui vont avec. Hein? Même t-shirt, il y a des t-shirts, ce que vous voyez là. T-shirt que vous voyez là, depuis que Peter l'a délivré là, il ne change pas son t-shirt là, il ne change pas. Ça fait 1000 fois, il est dans le t-shirt là. Odeur de vlemanou, odeur de transpiration, odeur de cacholio, odeur de cigarette, odeur de lâchement, c'est rempli dans le t-shirt là. Ça là. Ça là, t-shirt que vous voyez là. T-shirt là. Odeur qui est dans des odeur qui est dans le t-shirt, ça s'appelle réveil cadavre. Hein? On peut avoir une narine comme ça. On dirait aspirateur. Hein? Il y a des t-shirts qu'il a porté là. Depuis que j'ai répété, moi j'aime répéter les choses comme ça, la personne va bien comprendre. Il y a des t-shirts qu'il a porté. Depuis que Peter l'a délivré là, il n'a pas encore changé. Même il ne se lave pas. Il se lave pas tellement, Peter l'a traumatisé. Il ne se lave même pas. Donc, t-shirt là, odeur de vlemanou. Je vous explique. Odeur de vlemanou. Odeur de cacholi. Odeur de lâchement. Odeur de cigarette. Odeur de transpiration. C'est rempli. Je veux dire, ça là. Si tu imagines, tu te passes comme cela là. Tu es terni là. Tu n'as pas pensé. Je dis, tu es terni là. C'est que c'est odeur de t-shirt là. On peut faire ça. En tout cas, Peter 00, tu as mis bim. Tu as mis bim. Tu as mis bim. Tu sais que tu mérites les vrais coups, les dangereux coups. Les vrais coups là. Les vrais coups. On s'en fout des sida là. Même Corona, même tu que sida. Nous tous là, on sera contaminés. Eh oui, cette fois-ci là, on sera contaminés. Pardon, faut nous donner sida là aussi. On te demande pardon. Hein? Je te demande, maman, je te demande pardon. Si dans là, il faut me donner aussi. Parce que ça ne tue pas. C'est Corona qui tue. Sinon, si dans là, ça ne tue pas. Ce n'est pas Corona qui nous a emprisonnés dans la maison, qui nous a enfermés dans la maison là. Donc, pardon. Il faut nous donner un peu. Il faut nous donner. On peut traumatiser avant de quelqu'un comme ça. On peut même bim comme ça. Ok, famille, bon. Je vous fais plein de bisous. Merci à toutes les personnes qui ont appelé. À toutes les personnes qui ont intervenu et tout, qui ont donné le cœur à Peter, qui ont donné le cœur à Eka, à maman Brigitte, qui ont donné le cœur à toutes les mamans qui ont été insultées. En tout cas, merci, merci à vous aussi. Parce que quand une maman est insultée, c'est toutes les femmes qui sont insultées. Mais n'oubliez pas de passer vos commandes pour les personnes qui veulent maigrir. Vous avez les thés ici. Voilà, vous avez les thés, vous avez les gélules. Vous avez le sérum pour le visage anti-tache. Ça vous donne un chic visage sans bouton, sans tache. Ça enlève aussi les fards, ça enlève aussi les rides, tout et tout. Donc, vous avez ici, voilà, vous avez votre putation ici pour les personnes qui n'aiment pas se pommader. Voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les crèmes, vous avez tout. Hein. Voilà, j'ai mis le numéro. Voilà, j'ai mis le numéro. Voilà, donc ça, c'est le sérum éclaircissant. Voilà. Ça, c'est la crème. Ça n'éclaircit pas. Donc, si vous voulez avoir un teint chic, vous prenez les deux et vous aurez un teint vraiment chic et séduisant. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous et restez branchés. Ciao. Au revoir avec le teint qui va avec.